Et bonjour et bienvenue pour ce quatrième cours de physique chimie. Du coup là on s'intéresse à la partie 2 de l'humanité, représentation visuelle c'est terminé. Partie 2 du coup c'est la partie chimie en fait du programme de première L et de première ES que vous pouvez revoir avec moi du coup sur YouTube, mais que vous pouvez aussi voir en cours hein, tout simplement si vous avez été là. YouTube c'est vraiment pour ceux qui étaient absents ou ceux qui veulent rattraper, avoir une réexplication, avoir une revisite du cours. Et bien sûr ça s'adresse aux élèves de première ES et de première L du lycée Brissol, mais aussi de n'importe quel lycée si vous voulez suivre un petit peu l'avancée de ce cours. Voilà, donc on y va du coup, partie 2. Premier chapitre, qualité des sols. Et du coup je vous propose de comprendre d'abord ce que c'est la qualité d'un sol. Mais avant de comprendre ce que c'est la qualité d'un sol, je vous propose déjà de définir ce que c'est un sol. Voilà. Alors le sol, c'est un système chimique complexe qui contient de nombreux composés minéraux comme organiques. Dans le sol, vous pouvez avoir une fraction qui est minérale, mais vous pouvez avoir aussi une fraction qui est vivante, qu'elle soit végétale ou animale. Dans tous les cas, en fait, vous avez une première couche qui est toujours la même, et ensuite ça va dépendre de là où vous habitez. La première couche que vous rencontrez en général, c'est une fraction solide qui s'appelle minérale. Ça veut dire une fraction solide qui se compose de minéraux comme des cailloux, de la roche. Et ces fragments peuvent être du coup des argiles, des limons, des sables, mais aussi des sels minéraux. Alors les argiles, les limons, les sables, tout ça, c'est tous des minéraux, des matières minérales, mais dont la taille de grain et les propriétés diffèrent un petit peu. Je vous mettrai un schéma juste après pour constater les différences entre ces différentes choses. Vous avez aussi juste derrière, juste en dessous je veux dire, une fraction solide qu'on appelle organique. C'est là où vous avez les organismes vivants et l'humus qui sont stockés. Les êtres vivants, vous avez surtout les lombrics, les animaux qui sont souterrains, tous les animaux en fait qui sont sous terre. Hein. Voilà, je vais pas faire un dessin, vous les connaissez. Et vous avez aussi l'humus. Alors l'humus c'est quoi en fait? C'est une zone végétale en fait, une faible couche végétale qui a comme capacité en fait d'attirer à elle, de se complexifier si vous voulez, ça veut dire s'agglomérer avec des matières minérales qui sont juste au-dessus. Donc ça peut être des argiles, des limons, des sables ou des minéraux encore une fois. Ensuite selon où vous habitez, forcément si vous habitez à Cannes ou si vous habitez à Paris ou n'importe où ailleurs en France, forcément le sol va pas être le même. Vous avez des choses qui sont dans le sol qui sont pas les mêmes en dessous de l'humus. Vous pouvez soit trouver une fraction liquide, ce qu'on appelle aussi solution du sol, qui correspond en général à de l'eau qui est stockée ou à divers éléments qui sont dissous comme des ions. Vous pouvez avoir de l'eau boueuse, vous pouvez avoir de la boue seulement. Vous pouvez aussi avoir de l'eau minérale qu'on puise. Les sources d'eau minérale sont issues des fois de nappes phréatiques, hein. Ça peut exister. Vous pouvez avoir de la phréatique quoi, tout simplement. Hein. Donc tout ça en fait, tous les liquides qui sont stockés en sous-sol s'appellent du coup la solution du sol. Deuxième partie que vous pouvez retrouver aussi, et dans un ordre totalement aléatoire, hein. Vous pouvez avoir une fraction gazeuse ou une fraction liquide, ou l'inversement, ou n'en avoir qu'un ou aucun des deux. Fraction gazeuse du coup, c'est composé principalement de dioxygène, méthane et dioxyde de carbone, qui sont issus de quoi? En fait, quand vous avez des glissements de terrain ou quand vous avez des animaux qui meurent dans le sol ou qui sont enterrés ou qui se retrouvent ensevelis, c'est comme ça qu'on forme des fossiles, hein, souvenez-vous. En fait, ces corps qui sont du coup morts vont devoir se dégrader, sont dégradés par la nature, ce qu'on appelle la putréfaction. Cette putréfaction, en fait, cette action de la nature, en fait, de désagréger le corps animal ou le corps végétal mort. Va entrer dans un processus qui va dégager un gaz. Le gaz, je vais pas faire de la chimie de haut vol, hein, mais dans tous les cas, ces gaz, une fois qu'ils sont produits, et dans la quantité où ils sont produits, ils ont besoin de s'échapper en fait. Les gaz vont devoir s'élever. Et là, vous avez deux solutions. Soit les gaz en fait réussissent à arriver jusqu'à la surface et rejoignent l'atmosphère, soit les gaz en fait vont rester emprisonnés, vont rester stockés en sous-sol. Et là, du coup, ces gaz en fait en pression. Une fois qu'ils sont montés en pression, enfin qu'ils vont aller dans un endroit, en fait vont créer une poche qu'on appelle du coup la fraction gazeuse. Donc c'est là où vous avez tous les gaz de schiste, les gisements, en fait, les gisements de méthane si vous voulez, c'est là où vous trouvez en fait votre méthane quoi. Ou n'importe quel autre gaz aussi qui peut être intéressant. Donc du coup un sol, ça, sous un arbre ça ressemble à ça. Vous avez le sol, vous avez l'humus qui est juste au-dessus hein, bien sûr, la roche mère, mais vous avez aussi tout. J'ai expliqué tout sur ce schéma, tous les fragments que vous pouvez retrouver dans la matière minérale solide.
Vous avez les pierres cailloux, les sables, les limons, les argiles, et vous avez toutes les propriétés, je vous laisserai le lire vous-même. En tous les cas, c'est pas très intéressant, ça tombe jamais au bac, c'est pas demandé. Et même façon à retenir, c'est un petit peu trop vous demander. Donc déjà, retenez qu'il y a dans ces fractions des cailloux, des sables et de l'argile. Les limons, c'est pas grave, si vous retenez pas, c'est un truc qui est dégueulasse, un peu au toucher. Mais l'argile, c'est super important par contre. Parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, on parle de l'humus, on dit que l'humus, en fait, a le pouvoir, la capacité d'attirer, en fait, de s'agglomérer avec les matières minérales solides qui sont juste au-dessus ou juste en dessous d'elles. Et en fait, cette matière minérale, une fois agrégée avec l'humus, va former ce qu'on appelle un complexe. Dans le cas d'un agglomérat, en fait, entre l'argile et l'humus, vous avez formation d'un complexe très intéressant et qui va nous intéresser pour tout ce qui est fertilité des sols, pour les agriculteurs. Ça s'appelle le complexe argilo-humique. Le complexe argilo-humique, je vais l'abréger sous la forme de CAH, que vous pouvez vous aussi faire en commentaire composé. Je vous rappelle qu'en commentaire composé, vous n'avez pas beaucoup de temps. Privilégiez les abréviations dès lors que vous les avez définies. Écrivez au moins une fois complexe argilo-humique pour faire voir au correcteur, vous savez l'écrire. Entre parenthèses, à la suite, mettez CAH et réutilisez CAH pour gagner du temps. Du coup, maintenant qu'on a compris que c'était un sol, pour évaluer la qualité d'un sol, pour l'agriculture par exemple, il va falloir savoir distinguer un bon d'un mauvais sol, un sol de qualité d'un sol d'une pauvre qualité. Et pour cela, un sol de qualité va répondre à des besoins des cultures, vu qu'on veut cultiver les sols. Les besoins des cultures, du coup, se distinguent en 17 éléments. Là, il n'y en a que 16 de représentés, parce que j'ai oublié le 17e, il me semble, hein, 3 et 3, 6 et 3, 9... Et 3, 12, et 3, 15, et un 16. Ouais, il y en a un qui manque, alors lequel? Lequel, je l'ai pas. Là, je l'ai, de tête, je l'ai pas. Mais c'est pas trop grave. Dans tous les cas, ces éléments, en fait, se distinguent en plusieurs catégories. Et si vous retrouvez ces éléments dans le sol, à ce moment-là, votre sol est de bonne qualité. Après, on peut le rajouter, il y a des engrais, on verra ça plus tard. Mais en tous les cas, plus vous avez de ces éléments-là dans le sol, et forcément, moins vous avez d'engrais à mettre, moins vous avez d'ajouts, d'additifs. À incorporer au sol et ça vous fait un coût moindre par rapport à un sol que vous devez entretenir. Forcément le coût va toujours revenir dans le processus de culture. Donc du coup parmi ces 17 éléments vous retrouvez les trois principaux éléments de la matière organique, le C, le H et le O, le carbone, l'oxygène et l'hydrogène. Ok, j'ai pas mis dans l'ordre, hein. Attention, hein. Donc carbone, hydrogène, oxygène, ce sont les trois molécules qui composent, allez, je vais pas me lancer au hasard, mais je vais dire 98% de la matière organique mondiale. C'est majoritairement les trois atomes qui vont constituer la matière organique que vous connaissez. Il y a le N aussi, l'azote, qui rentre en compte, mais un petit peu dans une moindre mesure. Déjà, tout ce qui est CH, il y avait tout ce qui est les hydrocarbures, tout ce qui est les alcanes, alcènes, alcynes, tout ce qui est carburant pour l'avion, kérosène, essence que vous mettez dans la voiture, que ce soit sans plomb ou gasoil. Ça peut être le gaz de ville comme le butane, ça peut être le méthane que vous rejetez de la voiture, ça peut être plein de choses, voilà. Et ça, c'est juste CH. Maintenant, si je rajoute O, j'ouvre en fait la gamme à tout plein de familles comme les sucres, comme plein de molécules qui vont vous être présentées après dans le chapitre suivant. Mais vous allez voir, on a le temps d'y arriver. De toute façon, O et H, ça fait de l'eau aussi, hein, donc du coup, c'est totalement essentiel à un sol. Parmi ces derniers, du coup, il y a d'autres éléments, hein, mais parmi ces derniers, on distingue les éléments majeurs, les éléments que vous devez avoir dans votre sol pour pouvoir cultiver de manière tranquille, le potassium, K, l'azote, N, et le phosphore, P. Et après, vous avez des éléments secondaires, comme le calcium, le magnésium et le soufre. Le calcium, par exemple, c'est tout ce qui aide sur vos os, normalement. Et bien, pour la plante, c'est exactement pareil, ça va aider sur la paroi cellulaire à la rendre beaucoup plus forte, beaucoup plus résistante. Le potassium, lui, c'est pour tout ce qui est le métabolisme. Et le phosphore, lui, c'est pour tout ce qui est résistance aux maladies, mais aussi pour le développement des racines. Voilà. Ensuite, vous avez des oligo-éléments. Bon, ces oligo-éléments, en fait, sont pas essentiels, mais c'est mieux si vous les avez. C'est comme vous dans votre alimentation. Si vous l'avez, c'est mieux. Mais voilà, vous n'allez pas mourir si vous l'avez pas deux jours de suite, quoi. Donc, vous avez le bore, B, le fer, Fe, le zinc, Zn, le Cu, cuivre. Mn, c'est manganèse, Cl, le chlore, et enfin Ni, le nickel. Voilà. Pas à apprendre par cœur, mais normalement, vous les avez déjà tous vus quasiment en seconde quand vous avez appris le tableau périodique, à part le nickel, le manganèse.
Le reste, vous les avez tous vus. Bon, le fer, vous l'avez pas vu à apprendre par cœur, mais vous l'avez vu quand même en cours. Du coup, le sol des agro-systèmes s'appauvrit pardon, en éléments nutritifs. Bah effectivement, quand vous plantez en fait une plante dans... Oui, quand on plante une plante, quand vous plantez un végétal dans le sol, ce végétal du coup va se nourrir. C'est comme vous. Là-bas, j'ai mon placard. Voilà, vous avez par exemple un placard à gâteau. Vous avez une petite faim, vous prenez votre placard à gâteau, et plus vous prenez de gâteau normalement, et plus votre placard s'appauvrit en gâteau. Bah c'est pareil. En fait, les éléments sont présents dans le sol, conservation des éléments chimiques, souvenez-vous, hein, rien ne se perd, rien ne se crée. Ça veut dire que si vous avez X éléments à l'intérieur de votre sol, vous mettez un végétal au-dessus, bah vous avez toujours X éléments dans le sol. Si le végétal en pompe, je sais pas, en pompe 2, et ben il en reste X-2 dans le sol. Et au bout d'un moment, quand il aura tout pompé, il n'y a plus rien. Et forcément, il va falloir absolument le ravitailler. C'est comme quand maman voit que le placard à gâteau commence un petit peu s'appauvrir. Bah au bout d'un moment, faut se ravitailler, sinon on crève de faim. Et maman, elle fait quoi? Elle va au supermarché, elle va renflouer. Bah nous, c'est pareil pour un sol. On va prendre de l'engrais et on va renflouer en fait le sol. On va le réenrichir en ions nutritifs pour la plante. Si vous ne faites pas ça, la plante va finir par crever. Il est également possible de travailler hors sol. Alors oui, effectivement, il est possible de travailler hors sol si vous êtes un peu scientifique. Ça veut dire de travailler dans des pots que vous ne plantez pas à l'intérieur d'un sol, mais que vous avez stocké quelque part, sur une étagère ou quoi. Ça se passe beaucoup. Pour Cannes, vous avez à Sophie Antipolis l'Institut INRA, qui fait beaucoup de trucs comme ça, qui élève des pucerons, des roseaux, plein de choses, et qui étudie aussi des plantes, qui travaille beaucoup hors sol, dans des chambres froides, pour contrôler, enfin, chambres froides ou chaudes, ou en tout cas à température contrôlée, afin de pouvoir voir un petit peu l'influence soit des parasites, soit de la température ou des conditions atmosphériques sur une plante, pour étudier du coup la résistance à une plante à soit un environnement en termes de météo, soit en termes d'environnement, en termes de ravageurs, c'est des animaux en fait qui mangent la plante, quoi, qui l'empêchent de pousser ou qui les rendent malades. Tac. Alors, diapo rouge, c'est important. On parle cette fois-ci du complexe argilo-humique. C'est vraiment le gros morceau de l'année. Le complexe argilo-humique, c'est vraiment le morceau de l'année. C'est quoi en fait? C'est l'ensemble des forces qui retiennent les cations échangeables sur la surface des constituants minéraux et organiques des sols, soit l'association de l'humus et des argiles des sols. C'est une grosse définition, je sais, mais on va la décrypter ensemble. Complexe argilo-humique, c'est bien l'association en fait de l'humus et de l'argile qui sont dans les sols, forcément, ok, donc ça c'est fait. Ensuite, c'est quoi en fait? C'est l'ensemble des forces qui vont retenir les cations échangeables. En gros, si vous voulez, la nourriture des plantes, ce sont les cations. Vous avez vu tout à l'heure que, sur cette diapo-là, les éléments majeurs, vous aviez par exemple K, N, P, mais ils se trouvent sous quelle forme ces cations? Enfin, ces éléments. Bon, à part N, qui soit la forme de nitrate, des fois, NO3-, bah vous avez aussi du NH4+, donc du coup, c'est un cation, ammonium. Vous avez aussi le phosphore. Bon là, le phosphore, c'est un mauvais exemple. Le potassium, par exemple, K+. Calcium, Ca2+. Et c'est pareil pour Mg, c'est Mg2+. F, c'est Fe2+, Fe3+. Zn, Zn2+. Cu, Cu2+. Mn, Mn2+. Cl, contre-exemple. Et Ni, Ni2+, encore une fois. Donc du coup, en fait, tous ces ions, en fait, se trouvent sous la forme de cations, c'est-à-dire de forme d'ions chargés positivement. H aussi, H souvent sous la forme plus. Bref, donc du coup, maintenant qu'on a vu que c'est sur la forme plus majoritairement, ben en fait, il va falloir que le complexe argilo-humique retienne en fait ces cations échangeables. Et c'est ce qui va donner toute l'importance à ce complexe. Imaginez un petit peu que vous ayez un petit peu de... vous ayez de la bouffe un petit peu partout sur la planète, ça c'est normal, c'était à l'époque des chasseurs-cueilleurs. Ben, il fallait que tous les matins, du coup, l'homme préhistorique se lève pour pouvoir chercher la bouffe, soit sur l'animal le plus proche qu'il doit tuer, soit sur l'arbre le plus proche qu'il devait cueillir et récolter du coup. Et bah c'était un peu chiant d'avoir une fraise à 2 km à droite, une poire, une mandarine là-bas à 5 km, on sait qu'il y a un nid de mammouth là-bas à 3 km et demi, oh c'est chiant quoi. Le mec, il passe toute sa journée à se ravitailler en nourriture, voilà, c'est pas optimal. Bah la plante c'est pareil, si elle a une racine qui ramène du carbone là-bas, elle a une racine qui ramène là-bas très loin du phosphore, bon l'azote tranquille c'est sous notre cul, mais là-bas il y a aussi à 3 km de racine tel élément, elle en peut plus la plante, c'est des dépenses énergétiques qui sont beaucoup trop importantes pour elle, et donc du coup le CH
en fait, c'est l'équivalent de votre placard à gâteau ou l'équivalent du Leclerc le plus proche. En gros, c'est la chose qui va complexifier ensemble, qui va rassembler l'ensemble de la nourriture au même endroit. Du coup, si la plante, elle va au supermarché une fois une heure, elle va avoir le complexe argéolimique, en fait, elle va capter ce complexe argéolimique de manière scientifique, c'est ça quand ça se passe. Si vous arrivez à capter un complexe argéolimique, c'est comme si vous alliez faire une session à Leclerc. Et donc, du coup, vous allez ramener toute la bouffe d'un seul coup. Vous allez ramener le lait, les œufs, la farine, vous allez ramener les gâteaux, le soda, tout en une seule fois. Donc du coup, par rapport à l'homme préhistorique qui va aller partout pour aller chercher chaque ingrédient et qui a des fois pas trouvé, vous allez à Leclerc une heure, fini. Le complexe argéolimique, c'est l'ensemble des choses comme le Leclerc ou le Carrefour, mais pour la plante. En gros, la plante, elle va se casser la tête une fois, aller chercher, aller capter le CH. Et elle aura l'ensemble des questions qui l'intéressent en une seule fois. Un gain d'énergie qui est vital pour elle, parce que du coup, gain d'énergie, elle peut le réinvestir ailleurs, soit dans la croissance de ses racines, de ses feuilles, etc., soit dans la production de fruits. Et c'est ce qui vous intéresse. Alors ces questions, du coup, ils peuvent s'échanger avec la solution du sol. Les plantes, elles constituent le réservoir fertile chimique du sol. Mais en fait, c'est ça, en fait. C'est ce que je viens de dire. En gros, entre la solution du sol, les solutions aqueuses et le complexe argéolimique, vous pouvez avoir des échanges d'ions. Donc les ions peuvent être échangés, c'est-à-dire qu'on peut échanger des ions qui sont mauvais contre des ions qui sont nutritivement intéressants, que la plante du coup va prendre. Et les CH qui sont chargés avec des ions mauvais. En fait, le CH, il choisit pas qui il échange avec quoi. C'est pas des cartes Pokémon quoi. Le CH, lui, dès qu'il voit un ion et que ça s'échange. Voilà. Ça s'échange en permanence en fait. Et la plante, elle va avoir plusieurs complexes argéolimiques. Ça lui plaît, elle le prend. Si ça lui plaît pas, elle le laisse. Et donc du coup, le complexe argéolimique, tant qu'il n'est pas pris, va continuer à échanger. Donc les ions mauvais, finalement, vont tendre à être évacués. Et les ions qui sont bénéfiques, du coup, quand ils vont être captés du tout par la plante. Voilà pourquoi il y aura du coup un système d'échange où les ions qui sont pas bons vont se retrouver majoritairement dans la solution du sol. Et inversement, les ions qui sont bons, majoritairement dans le complexe argéolimique. Mais du coup, tout ça, en fait, ça permet de nourrir la plante. Et c'est un truc qui est vraiment formidable parce que la nature l'a totalement fait. Et l'homme n'y est pour rien là-dedans. Du coup, d'un point de vue chimique, argile et humus ne devraient normalement pas se lier entre eux. Bizarre, on vient de dire l'inverse juste avant. Parce que les micelles d'humus et d'argile sont toutes les deux électronégatives. Et donc se repoussent naturellement. Oh, électronégatif, il faut que je définisse. Électronégatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, électriquement parlant, l'humus comme le complexe argéolimique sont chargés négativement. Du coup, normalement, ils ne devraient pas former de complexes ensemble. Ils devraient normalement, par les lois de l'électrostatique, se repousser. C'est comme vous avez des aimants à la maison. Si vous mettez deux polarités au même endroit, normalement, les aimants, ils font quoi? Ils se décollent. Normal. Un frigo, normalement, vous mettez un aimant qui est de même polarité, l'aimant, il va jamais se coller. Normal. Et ben là, pourtant, grâce à certaines populations d'organismes, on va réussir quand même à vaincre cette force électrostatique répulsive et former quand même le complexe argéolimique. Mais ça, on rentrera pas dans le détail. C'est pas au programme. Donc du coup, c'est certaines communautés d'organismes vivant dans le sol, comme les lombriques par exemple ou les vers de terre, qui vont produire ces complexes en liant l'argile et l'humus, mais de manière forcée. On va dire, ils ont un mécanisme de formation qui pour eux est simple, qui pour nous est difficile, et qui pour eux est naturel. Ça, c'est ça qui est génial, c'est que du coup, c'est les lombriques, les vers de terre en fait qui sont dans le sol, qui vont produire le CH naturellement. En fait, ils vont migrer un peu dans le sol, ils vont produire en fait le CH naturellement, non pas pour vous, hein, c'est pas des lombriques qui sont au service de l'humanité, mais pour eux en fait, qui vont le fixer sur leur nez, et en fait vont emmagasiner en parcourant le sol l'ensemble des ions qui les intéressent pour ensuite tout gober une seule fois. Mais bon, le complexe argéolimique du coup va rester parce qu'il va en former plusieurs, et du coup, il va réussir à en laisser pour les plantes qui sont autour de lui. Pas bête, le petit ver de terre, quand même. Hein. Le complexe argéolimique a la propriété d'être forcément adsorbant. Attention, j'insiste beaucoup sur ce D. Ce n'est pas une erreur dans ma diapo. Là, je parle bien d'adsorption. Ok, c'est différent de l'absorption. Et je vais le définir immédiatement, sans attendre la diapo d'après. L'adsorption, en fait, c'est quand... l'adsorption, c'est quand vous prenez la tarte en pleine poire. L'absorption, c'est quand vous mangez la tarte. Voilà, c'est le meilleur exemple du monde pour déterminer la différence entre les deux. Pour le point de vue d'une cellule ou d'une molécule, l'absorption, c'est quand vous avez les choses à absorber qui rentrent à l'intérieur. L'adsorption, en fait, c'est quand elles se fixent sur le pourtour. Voilà, tout simplement.
Je reviens du coup sur mon exemple précédent. Le complexe argilo-ionique a la propriété d'être forcément adsorbant, ça veut dire qu'il va essayer de fixer en fait les cations métalliques sur le pourtour de ce complexe. Le truc c'est que normalement une molécule ça a pas d'intérieur ou d'extérieur, donc du coup l'absorption par une molécule ça ne se dit pas vis-à-vis d'une autre molécule ou d'un autre ion, ok? On l'utilisera pour d'autres choses que vous ne verrez pas du coup cette année. Et vous ne verrez jamais du coup. Sauf si vous allez en S. Cette liaison du coup, argile plus éléments minéraux plus humus, s'appelle la complexolyse. Je l'ai mis en rouge, c'est un terme que vous devez connaître. Voilà, je suis désolé. La complexolyse du coup, c'est ce qui vous permet en fait de complexer les éléments nutritifs cationiques, avec les ions positifs qui servent de nourriture aux plantes, sur la surface du CH, l'argile plus les éléments minéraux, l'argile plus l'humus, souvenez-vous. La profondeur et l'importance de ce phénomène varient selon le climat, le pH du sol, la qualité des argiles et des humus en présence. Oui, forcément, si vous avez un complexe argilo-humique de moindre qualité, bah forcément l'importance de ce phénomène va être un petit peu pourrie. C'est comme si vous avez un placard avec des trous, bah forcément ça va pas beaucoup garder la bouffe à l'intérieur. Si vous avez le climat par exemple, bah le climat, s'il fait très chaud ou très froid, le complexe argilo-humique va moins bien fonctionner ou va même pas se former. C'est comme votre frigo. Votre frigo, s'il est à 20 degrés, ben, surprise, votre viande, elle va pas être conservée très très bien. Et le surgelé, c'est pareil. S'il est à 4 degrés au lieu de moins 4, ben, votre surgelé va pas être conservé non plus. Ça marchera beaucoup moins bien. Ben, le CH, c'est pareil. Le pH aussi. Le pH va influer fortement sur la capacité du CH à absorber, les cations qui sont présents dans le sol. Du coup, les propriétés adsorbantes de ces complexes sont agronomiquement intéressantes et même vitales. Si vous n'avez pas de complexe argilo-humique dans le sol, ça ne sert à rien d'exploiter votre terre. Vous allez être perdant. C'est obligatoire. Seuls ces complexes sont capables de fixer dans le sol les cations qui sont des nutriments pour les plantes. Sans cela, ils seraient mobiles dans le sol. Bah oui. Si vous n'avez pas de complexe argilo-humique pour arrêter en fait et pour fixer à un endroit précis pour localiser en fait votre ion nutritif, et ben, souvenez-vous, ça s'échange avec la solution du sol. La solution du sol, c'est quoi? C'est de l'eau. L'eau, ça ruisselle. L'ion, il part avec. Terminé. Il serait mobile dans le sol, avec l'eau, du coup, voire dans l'air ou la pluie. Bon, le moucheron, ça suffit, là. Donc, du coup, Mg2+, Ca2+, K+, et même les protons H+, qui peuvent alors attirer des anions ou des groupements anoniques, comme les ions phosphate. Qu'est-ce que je dis, là? Ouais, là, je me suis perdu un... Elle veut rien dire cette phrase. Sans cela, ils seraient mobiles dans le sol, voire dans l'air ou la pluie. Ils peuvent alors attirer des anions groupement anonyme. Bon, en fait, la phrase, elle veut rien dire. Dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le sol, vous avez ces cations-là. Et ces cations-là, en fait, peuvent attirer eux-mêmes aussi des ions phosphates PO4-3-. Et en fait, ces ions phosphates sont super importants parce que si vous prenez votre complexe argilo-humique comme étant une sphère, bah vous allez avoir une première couche qui va s'agglomérer d'ions adsorbants. Attention, c'est en 3D, hein. Ok. D'ions adsorbés, pardon. Donc du coup, vous allez avoir une boule, ok, en 3D, sur laquelle va se fixer plein de petites boules qui sont les ions cationiques. Au bout d'un moment, il n'y aura plus de place, donc forcément, votre CAH va être saturé, on va dire. Les ions phosphates, en fait, eux vont réussir à se fixer parce qu'ils sont moins sur les cations plus qui sont déjà fixés. Et en fait, ces anions phosphates vont permettre une seconde couche, une version d'une seconde couche d'ions nutritifs cationiques. Je vais le faire voir en schéma, ce sera plus simple. Si par contre, dans le cas où vous avez un PO4-3- qui se fixe et que l'ion qui est entre le CH et le PO4-3- s'appelle calcium, à ce moment-là, le pont qui fait le groupement entre le CH et le PO4-3- s'appelle un pont calcique. Voilà, c'est dans le programme, faut le savoir, je suis désolé. Et heureusement, c'est le seul à connaître par cœur. Voilà du coup le CAH, comment il se produit. Vous avez le CAH qui est en fait une grosse sphère, un gros agglomérat qui est très chargé négativement vu qu'il est composé d'humus négatif et d'argile négative aussi. Ok ? Donc sur l'ensemble de la surface, vous avez plein de charges moins qui sont là présentes et prêtes à attirer tout ce qui est plus du coup. Vous avez des ammoniums, vous avez du K+, donc du potassium, des calciums, potassium, calcium. H+, donc proton. Là vous avez des ions magnésium par exemple, là aussi. En fait voilà, vous avez plein d'ions cationiques qui se sont fixés en fait, qui sont absorbés sur la surface du CH. Bah si vous avez toutes ces sphères qui sont là, vous n'avez plus de place en fait et vous voyez bien qu'il n'y a plus de place pour d'autres cations. Et bah en fait le PO4-3-
Ça, c'est génial, c'est ce qui est dans les engrais aussi. Hein. Le PEC à 3 mois, en fait, va permettre, en fait, de créer une deuxième couche qui est totalement négative afin d'ouvrir ouvrir l'accès à une deuxième couche d'ions cationiques, d'ions chargés plus, qui vont pouvoir du coup se réabsorber à la surface. Ça va faire en fait plusieurs couches, un peu comme un oignon. Voilà. Mais donc, du coup, bah, c'est plus intéressant parce que la plante, en fait, au lieu d'avoir un truc ça a juste, par exemple, un chocolat, ben là, elle a carrément avec un truc avec un enrobage et tout, quoi. En gros, elle a pas une glace magnum normale. Là, elle a le double caramel, si vous voulez. Ok ? Elle a plusieurs couches de nutriments. Et c'est beaucoup plus... c'est vachement meilleur pour la plante. Et c'est vachement plus nutritif pour la plante en une seule absorption. Du coup, le compresseur géomique, il a une autre propriété aussi qui est vachement intéressante. C'est qu'ils peuvent fixer, en fait, des cations qui sont toxiques. Donc ça a une grande valeur du point de vue éco-toxicologique. Éco pour l'écologie et toxicologique pour la toxicologie. En fait, si vous voulez, il y a des cations comme les métaux lourds par exemple ou autres métaux toxiques ou radionucléides. Ça, on le verra partie 3, radionucléides. Du coup, si on les met sur un complexe argilo-humique, ils vont repasser sous la forme neutre parce que le complexe argilo-humique va donner des moins. Le métal toxique va donner des plus, et en fait ils vont se neutraliser, vont devenir neutres ensemble. Et en fait ces métaux toxiques vont être fixés, et ils vont ne plus pouvoir en fait naviguer dans l'eau tranquillement, et donc ne plus pouvoir polluer votre environnement, soit local ou soit futur, parce que souvenez-vous qu'une eau qui est polluée, si elle est puisée, elle est ensuite bue par qui ? Voilà. Donc du coup c'est vachement intéressant. Le truc étant, c'est que à la fois ils vont donc fixer et empêcher le transport de ces radionucléides, de ces métaux toxiques ou de ces métaux lourds, mais ils vont aussi provisoirement les inerter, parce qu'un métal qui est neutralisé en termes de charge sera beaucoup moins captable par les organismes vivants, et ça c'est intéressant. Le complexe argilo-humique est mieux hydraté que ne pourraient l'être les micelles d'argile ou d'humus. En fait, vous avez un effet synergique qui se passe, c'est-à-dire que si en fait vous hydratez de l'argile et que par exemple vous trouvez un chiffre, on va dire qu'il y a une grandeur qui permet de mesurer l'humidité dans l'argile. Si on trouve 50 par exemple pour l'argile, et si l'humus, surprise, on trouve 50 également, en fait le complexe argilo-humique ne va pas être hydraté à une hauteur de 100, mais à une hauteur de 120, 150. En fait il y a un effet synergique où ensemble, ils hydratent chacun mieux que séparément. Et ça c'est vachement bénéfique pour la faune et la flore qui permettent en fait, enfin qui, bah, qui comment dire, qui bénéficient de ce complexe argilo-humique. D'ailleurs, une hydratation minimale est nécessaire à la stabilité de son complexe. C'est en fait, si vous n'hydratez pas votre sol, même s'il y a un CH qui fait le taf pour vous quelque part, vous allez détruire ces complexes. S'il n'y a pas d'eau pour les lier, vous ne pourrez pas faire survivre ces complexes. Ils vont se désagréger, ils vont se reséparer, et du coup, ça ne va pas le faire. Maintenant qu'on a déterminé, je bois un petit peu parce que là j'ai la gorge très sèche. Maintenant qu'on a déterminé ce que c'est un sol de qualité et qu'il fallait l'arroser, il faut voir un petit peu ce que c'est notre consommation. En général, une autre consommation, ça se détermine par rapport à une grandeur qui s'appelle l'apport hydrique quotidien. Ça c'est l'apport que vous devez avoir tous les jours pour ce sol de boisson, ok? L'apport hydrique quotidien, total quotidien que vous devez avoir en termes d'être vivant, au moins en humain, c'est 1 ml d'eau par kilocalorie que vous avez ingéré. Normalement, les filles qui font un régime ou les garçons qui entretiennent leur corps ou qui font un petit peu de muscu ou quoi, on parle beaucoup de kilocalories en fait. C'est l'énergie qui est absorbée par unité de nourriture. Voilà. En général, si vous voulez compenser votre perte d'eau capable pour la digestion de ces kilocalories ingérées, il faut vous renflouer votre organisme de 1 ml par kilocalorie. En général, un repas humain, c'est 300 kilocalories. Ok, donc il faut 300 ml, soit 30 centilitres. Ça veut dire une quête de coca, quoi. En eau, pas en coca. Il devrait être d'ailleurs majoré en cas d'activité physique ou de forte chaleur. Là, c'est l'été, par exemple, je transpire. Il va falloir que chaque millilitre que je perds en transpiration, je le renfloue en boisson. Pareil en activité physique, ça va faire transpirer. Chaque millilitre perdu, il faudra le renflouer. Voilà comment on calcule un petit peu l'apport hydrique total quotidien par être humain. L'eau doit au moins représenter en moyenne du coup
1 litre à 1,5 litre de cet apport. Il est complété par la consommation de produits qui apportent aussi de l'eau, comme des fruits ou comme les légumes. Ces deux types d'aliments en fait apportent de l'eau aussi. Mais c'est comme si vous buviez en fait cette eau et que vous mangez à côté un truc qui est sec, ok? Dans tous les cas, ça fait partie de la consommation que vous avez et ça peut contribuer à l'apport hydrique total quotidien. L'apport en eau doit être aussi régulé sur l'ensemble de la journée, pas uniquement lorsqu'on a soif. En fait, la sensation de soif, c'est déjà une alerte que produit votre corps pour vous dire « Attention, là c'est la merde, il faut absolument qu'on boive un coup, sinon ça marche plus, ou ça marche moins. » En plus de l'apport en liquide, l'eau va permettre de fournir à l'organisme des sels minéraux. Et en fait, ces sels minéraux sont vachement importants pour le métabolisme. Vous avez vu que pour la plante, il y avait K, il y avait N, il y avait P, il y avait CA, MG et S. Et ben nous, c'est pareil, on a aussi besoin d'oligo-éléments, d'apport en ions qui sont super importants, un apport en sels minéraux. Par exemple, si vous avez un manque de sel, bah, vous allez avoir des vertiges le matin. Si vous avez un manque, je sais pas, vous avez un manque de vitamine A ou C, ben... C'est pas les sels minéraux, mais si vous avez un manque de vitamine A, par exemple, vous pouvez développer un scorbut. Enfin bref, les carences, c'est jamais bon, que ce soit en oligo-éléments ou en vitamines. Bref, l'eau, c'est vachement important. Déjà, pour le métabolisme brut, ça, pour vous hydrater, mais aussi par rapport à ce que ça apporte via les sels minéraux. C'est pour ça aussi qu'on ne boit pas de l'eau pure, mais qu'on boit de l'eau minérale. Ouais, je sais, ça fait beaucoup, mais il faut tout dire. Et c'est comme ça. Donc du coup, il y a différentes eaux de boissons. Vous avez l'eau du robinet, qui provient généralement d'une rivière, d'une nappe phréatique. Elle subit une série de traitements physiques, biologiques et chimiques avant de sortir du robinet. Forcément, vu que l'eau, c'est un produit de première nécessité, elle doit subir plein de contrôles, que ce soit sur la biologie. Est-ce qu'il y a beaucoup de microbes dedans? Est-ce que c'est infesté? Est-ce que c'est dégueulasse? Voilà. Forcément, vous n'allez pas prendre l'eau des toilettes que vous venez de tirer la chasse et la recycler directement dans votre robinet pour ensuite la réabsorber. C'est dégueu, on le sait, c'est pas bon pour vous. Deuxième chose, est-ce que chimiquement l'eau elle est bonne? Vous avez des eaux qui sont chimiquement polluées. Quand on dit eau non potable, c'est une raison par rapport au potable. Vous pouvez avoir une intoxication métaux lourds. Par exemple, bah, comme a eu Rome à l'époque, c'est comme ça qu'elle s'est éteinte, Rome, hein, bah, vous aviez pas mal de plomb en fait dans l'eau. Et donc du coup, vous avez beaucoup de maladies qui sont développées à cause du plomb. Qu'est-ce que vous avez aussi? Des procédés physiques. Bah là aussi, y a plein de procédés physiques comme par exemple l'évaporation puis la recondensation de l'eau pour évacuer pas mal de choses qui sont dans l'eau qui sont pas très bonnes. Donc du coup, la composition minérale de l'eau du robinet peut varier d'une région à une autre et selon d'une ville à une autre. Bah forcément en fait, si vous avez un truc qui est dans l'eau de base mais que vous gardez, comme par exemple des oligo-éléments, plus de sodium ou plus de magnésium, bah forcément cette eau-là, dans ce sol-là, vu qu'elle s'est enrichie par ce sol-là, va pas être la même dans le robinet que celle qui est là-bas. L'eau de Cannes, par exemple, dans le robinet, n'a pas le même goût que celle de Nice ou que celle de Paris ou celle de Dunkerque, j'en sais rien, je prends des villes au hasard. Mais en tous les cas, toutes ces villes-là n'auront pas la même eau du robinet parce que le sol qui a chargé l'eau en minéraux n'est pas le même. Les eaux de source, du coup, ce sont des eaux qui sont issues de sources souterraines et qui sont bactériologiquement et chimiquement saines. Qu'elles soient plates ou gazeuses, elles sont embouteillées sans suivre de traitement purificateur, puisqu'elles sont saines à la sortie de la source. En fait, la source génère de l'eau, et l'eau, en fait, n'a pas le temps d'être contaminée. Si vous prenez de l'eau de source, elle est forcément bonne. Elle n'a pas le temps d'être minérale, minéralisée, elle n'a pas le temps d'être bactériologiquement infestée. Par contre, les eaux minérales, elles, comme les autres sources, sont issues de sources souterraines, sont bactériologiquement et chimiquement saines également. Ce sont des eaux qui sont totalement saines. Voilà, allez à la montagne, prenez l'eau d'une source. Il n'y a pas écrit eau potable dessus, mais tout le monde la boit et personne n'en est malade. La composition en minéraux et en oligo-éléments est constante et elles ont été reconnues d'intérêt public pour la santé humaine. Bah, comme vous avez épars, contracts, tout ça, ce sont des eaux en fait qui sont stagnées quelque part, mais qui sont bonnes. Les gens les embouteillent directement. Bon, après, maintenant on a développé le système et vous avez un système de pompe et de mise en bouteille qui est automatique. Il n'y a plus des hommes qui font des allers-retours à la source. Mais ça se faisait comme ça avant. Quant aux eaux pétillantes, elles sont généralement très riches en dioxyde de carbone, en hydrogénocarbonate et bicarbonate entre autres, et certaines en sodium. En fait, la seule différence qu'il y a entre les eaux plates et, pétillantes, en fait, c'est qu'elles sont chargées en CO2, en HCO3- ou en H2CO3. Voilà, en fait, ce sont des ions qui sont issus des roches calcaires, et si vous avez des roches calcaires par lesquelles a ruissé de l'eau, ben en fait, tout simplement, l'eau va devenir pétillante. Voilà. C'est juste à cause d'un ion qui est à l'intérieur de l'eau pétillante. Et quand vous ouvrez la bouteille,
Mais en fait, c'est quand l'ion hydrogénocarbonate ou l'ion bicarbonate en fait va passer sous forme gazeuse en forme de CO2. Voilà, donc là, je fais une petite analyse d'autres boissons. Là, j'ai recensé pas mal en fait d'eau qui était présente dans le commerce. Bon, sauf Vittel, je l'ai oublié. Vous avez pas mal d'eau qui sont référencées. Et vous pouvez voir que chacune de ces eaux, du coup, qui viennent de chacune d'une source différente, qu'elle soit une eau de source ou une eau minérale, donc qui a ruisselé ou pas, bah, en fait, a toujours une concentration en ions qui est différente. Et ça, c'est très important. Ça fait un goût qui est différent. Et ça fait aussi des eaux qui sont plus ou moins différentes en termes de propriétés chimiques comme physiologiques. Ah, j'ai passé une page. Donc du coup, le résidu à sec, c'est un truc qui est super important dans les eaux de boisson. Le résidu à sec, en fait, ça veut dire en fait que si vous évaporez un litre d'eau, en fait, vous le chauffez à 180 degrés pour être sûr qu'il reste plus d'eau, plus d'humidité, rien du tout. Voilà, ça rend bien sec. Le résidu à sec, c'est quand vous évaporez l'ensemble de votre litre d'eau et que vous pesez, en fait, que vous mesurez la masse des produits qui restent. Bah en fait, ça s'appelle le résidu à sec. En fait, c'est l'ensemble des minéraux qui ne seraient plus dans l'eau, qui repasseraient sous forme solide, sous forme de poudre, et vous mesurez en fait la masse de cette poudre qui est présente dans un litre d'eau. Entre 0 et 50 mg, on va dire que c'est une eau qui est très peu minéralisée. Entre 0 et 50 mg de résidu à sec. Entre 50 et 500 mg, là vous avez une eau qui est peu minéralisée. Ça, c'est ce qu'on vend dans le commerce, ok. L'eau très peu minéralisée, c'est genre l'eau pure, quoi. Ce qu'on fait au laboratoire, on ne boit pas. L'eau peu minéralisée, c'est déjà quelque chose qui est déjà assez peu minéral et je vous conseille pas de boire que de ça. En fait, il faut varier un petit peu les eaux. Entre 500 et 1500 mg de résidus à sec, donc entre 0,5 g et 1,5 g, vous avez une eau qui est très minéralisée. En général, il n'y a que Badois qui répond à cette gamme-là. Et après, vous avez plus de 1,5 g de résidus à sec. Ça, ce sont des eaux qui sont très fortement minéralisées et vous avez dedans Contrex, Épars, Vicinture, ce sont des eaux qui sont très très salées, donc qui sont très très minérales et qui ont en général un goût assez métallique, assez prononcé. Beaucoup d'entre vous d'ailleurs n'aiment pas ce genre d'eau. Le pH, du coup, c'est une autre chose qu'il faut absolument analyser avec l'eau de boisson. Ça se mesure indirectement avec la concentration en ion oxonium qu'on note H3O+ entre crochets aqueux. Alors en fait, H3O+, c'est l'ion oxonium, c'est son nom, et les crochets, ça veut dire concentration. Si je mets concentration avec un grand C, indice H3O+, ça veut dire la même chose. Hein. Mais là, je vous inculque en fait la notation scientifique qu'on utilise dans la science. H3O+, du coup, entre crochets aqueux de l'eau, permet de classer l'eau dans les catégories suivantes. Si le pH est inférieur à 7, du coup, vu que c'est directement lié à la concentration d'ion oxonium, vous mesurez la concentration en ce genre d'ion, et en fait vous allez retrouver une grandeur via une formule qui est exactement le pH que vous avez l'habitude d'utiliser. Et ce pH, du coup, s'il est inférieur à 7, l'eau elle est acide, si elle est supérieure à 7, l'eau elle est basique, et si elle est égale à 7, et l'eau elle est neutre. Et ça, vous le savez déjà. De manière générale, une autre boisson doit avoir un pH compris entre 6,5, pas trop acide, et 9, ça peut aller un petit peu dans le basique. Enfin, un truc très important qui sera sûrement posé si vous tombez sur le nourrir l'humanité en termes de questions dans la partie physique, c'est la dureté de l'eau. La dureté de l'eau, en fait, c'est est-ce qu'il y a présence ou pas d'ion calcium, magnésium dans l'eau. C'est directement lié à la nature géologique des terrains traversés. C'est-à-dire que si vous avez beaucoup de roches calcaires ou magnésiées, et ben du coup, l'eau elle va se charger en ces ions-là. Si elle traverse aucune source, aucun gisement de ces roches-là, bah forcément, vous n'aurez pas une eau dure. L'indicateur de dureté ou le titre de dureté ou le degré hydrométrique français noté TH est exprimé en degrés français. C'est en fait la grandeur qui donne exactement l'indice de dureté, si une eau est dure ou pas. En général, ce degré français s'est situé entre 0 et 50. À 50, vous avez une eau qui est très dure, à 0, vous avez une eau qui est très douce. Je ne vous demande pas de retenir les catégories, mais sachez que plus l'indice est élevé, plus l'eau est dure, en gros. Voilà. Le degré français, c'est intéressant de le retenir, parce que c'est quand même assez souvent tombé. Les eaux souterraines, issues de roches sédimentaires, comme les calcaires, par exemple, sont dures. Le pH est en général supérieur à 25 degrés français. Les eaux souterraines qui sont issues de terrains siliceux, comme les granites ou le grès, sont très douces et en général sont inférieures en titre hydrométrique à 15 degrés français. Les autres surfaces, elles, qui n'ont pas eu le temps de se charger en ions, bah forcément sont douces, elles sont à la surface, elles ne sont pas encore passées à travers les roches, et forcément, n'ont pas pu se charger en ions. Du coup, c'est une autre source qui est très peu minéralisée, donc forcément très peu dure.
Là, vous avez une carte de France en fait des différentes eaux, elles sont dures ou pas, en fonction des sols géologiques, et vous voyez bien que c'est très disparate en faisant des régions françaises. Vous n'avez plus qu'à appuyer sur pause pour construire cette liste plus longtemps. Une eau alimentaire ne doit pas être trop douce car l'homme a besoin de calcium et de magnésium pour compléter le métabolisme et la construction de ses os. Le calcium c'est pour les os, souvenez-vous, donc du coup faut pas boire que les os sont dépourvus en calcium parce que vous aimez pas ça. Des fois un petit coup d'épargne ou un petit coup de contre-aigle c'est pas forcément mauvais. De plus notre eau douce attaque la canalisation, donc du coup les métaux toxiques peuvent se retrouver dans l'eau sous forme d'ions. Une eau qui est trop douce en fait, ben pour la canalisation c'est pas bon. Et ça va attaquer le tuyau, ce qui s'est passé à Rome. Et donc du coup les tuyaux en plomb, en fait ont chargé en plomb l'eau qui ruisselait à l'intérieur, et du coup directement dans le verre du Romain. D'où la suite de la civilisation romaine. Enfin, il n'y a pas eu que ça, attention, je généralise un petit peu beaucoup, mais ça a contribué. Une autre eau dure, par contre, elle, ça produit un dépôt de tartre dans tout ce qui est conduit d'eau, robinet, ou les résistances chauffantes, comme les appareils comme le lave-linge ou le chauffe-eau. Bien sûr, le faire passer, c'est pareil, une eau qui est trop dure, en fait, ça va boucher avec du tartre à l'intérieur. Et du coup, il faut utiliser une eau qui est déminéralisée pour le, bah, pour tout ce qui est, comment dire, pour tout ce qui est appareil électroménager. Donc du coup, il va falloir trouver une espèce d'équilibre entre une eau qui est dure et une eau qui est douce pour à la fois compléter le métabolisme, vous apporter les ions qui sont nécessaires, mais à la fois non plus pas déglinguer tout votre système électroménager. Quantification des espèces présentes dans une boisson, bah en fait, une fois que vous savez qu'il faut une eau qui est pas trop dure mais pas trop douce non plus, bah il faut savoir aussi les mesurer pour savoir si l'eau elle est dans la bonne fourchette. Et en fait, chaque ion présent dans une solution peut être décelé grâce à ce qu'on appelle un test caractéristique. C'est un test qui est présent que pour lui et qui réagit qu'à lui. Vous en avez vu en seconde avec les ions Cl-, par exemple avec le test miroir d'argent. Et ce qu'on va revoir ici, le test du miroir d'argent, donc du coup c'est en fait, pardon, les ions chlorure en fait Cl-, peut être identifié par le nitrate d'argent. En fait, c'est des gouttes qu'on met dans un tube à essai, on va prendre de l'eau salée, par exemple, vous mettez quelques gouttes de nitrate d'argent dans le tube à essai, vous secouez, vous avez normalement la formation d'un précipité blanc, cette espèce de nuage dans le liquide, c'est un solide en fait, hein. mais ça a un aspect un petit peu laiteux, crémeux, et ça donne un précipité blanc, et quand vous le mettez à la lumière du jour, en fait, ça commence à noircir. Bah c'est ça, en fait, c'est le test... Non, c'est pas le test du miroir d'argent, c'est le test du nitrate d'argent, je te raconte n'importe quoi. Les ions sulfates sont pas très bons pour la santé, hein, et qui sont beaucoup dans les sols à cause de tout ce qui est pesticides en fait, sont identifiés ce qu'on appelle le chlorure de barium. Et ça réagit encore une fois pour former un précipité blanc. Enfin les ions calcium, qui sont directement liés à la dureté de l'eau, hein, souvenez-vous, sont identifiés par ce qu'on appelle l'oxalate d'ammonium. Retenez pas la formule chimique. Hein. Et ça réagit avec pour donner encore une fois un précipité blanc. Donc du coup dans tous les cas, ça forme un précipité blanc quand c'est positif. Ça va ? Pas trop dur. Donc pour quantifier ces ions, on peut aussi procéder à un titrage, c'est un truc qu'on fait en laboratoire et qui peut être suivi par plusieurs manières. Donc on va avoir une seule scène qui s'appelle le dosage colorimétrique. En gros, si vous voulez, vous avez en bas un bécher avec votre truc, votre eau de boisson, dont vous connaissez pas la concentration en ions, par exemple, je sais pas, c'est Cu par exemple, on va donner le cuivre. En ions Cu. En général, les ions Cu2+, pardon, ont une coloration qui est bleue dans l'eau. Donc du coup vous avez une eau qui est un petit peu bleutée à cause du cuivre présent à l'intérieur. Vous allez avec une burette en fait rajouter goutte à goutte un produit qui va réagir avec ce cuivre dont vous connaissez la concentration. Et en fait au bout d'un moment vous allez épuiser ce cuivre et de ce fait vous allez du coup épuiser la coloration vu que c'est lui qui donne la coloration bleue. Et la coloration en bas en fait va disparaître, le bécher va devenir totalement incolore. Là du coup vous allez pouvoir remonter à la concentration des ions cuivre parce que vous avez incorporé exactement la même quantité de matière de réactif anti-cuivre, si vous voulez, que quantité de matière de cuivre. En fait, la première goutte qui va faire que le mélange devient incolore en bas fait que vous allez remonter exactement, bah, vous allez avoir exactement la même concentration de produits anti-cuivre que de cuivre. De ce fait, vu que la quantité de matière c'est égal à la concentration fois le volume, bah, vous allez avoir CAVA égale CVVB, c'est une relation qui est super connue dans le milieu de la science, et vous allez avoir du coup, vu que vous connaissez le volume d'eau que vous avez au départ, volume de cuivre, mais vous ne connaissiez pas le CA, la concentration en cuivre, que vous cherchez, mais que vous connaissez la concentration d'anticuivre que vous avez mis à l'intérieur et du volume que vous avez versé via votre burette, vous pouvez remonter par un calcul en fait à la concentration que vous aviez en cuivre au début. La communiquer du coup au client et dire voilà, votre eau elle est saine, vous avez telle concentration en cuivre, mais aussi en CA2+, en sulfate, etc. En fait, par ce biais-là, vous pouvez remonter à la concentration de n'importe quoi. Et ça qui est super intéressant, c'est ce genre d'analyse qu'on fait en laboratoire pour contrôler la qualité d'une eau
qui va vous être envoyé dans le robinet. Et ce, plusieurs fois par jour. Du coup, voilà, j'ai résumé à peu près la diapo dans mon explication. Les normes de potabilité sont définies à partir d'une multitude de critères, dont les quantités d'ions, le pH, le micro-organisme, l'odeur, le goût, etc. Une eau qui pue ou une eau qui a sale goût, elle sera pas bue, donc du coup, ça sert à rien de la mettre dans le robinet. Mais ça sera peut-être pas dangereux, mais ça sert à rien de la mettre dans le robinet, personne ne la boira. Par contre, le pH ou la quantité d'ions, ou le micro-organisme, ça peut être dangereux. Et donc, on va mettre en place des normes. En fait, c'est les normes que nous, chimistes, avons au laboratoire pour dire, ah, on est dans la fourchette, on peut continuer à déverser de l'eau. Ah, on n'est pas dans la fourchette, avis de coupure d'eau jusqu'à traitement de l'eau. Voilà, c'est pour ça que vous avez des avis de coupure d'eau, des coupures d'eau des fois. Mais en général, ça arrive très très peu souvent. Là, vous avez un cycle de l'eau. Normalement, ça vous le connaissez. Je vous laisserai le regarder à la maison en mettant sur pause sur YouTube. Là, c'est pareil, vous avez un principe de traitement. Donc là, vous avez par exemple l'adoucisseur d'eau sur une résine échangeuse d'ions. Le retenez pas, il faut l'avoir vu quelque part dans le programme. Vous l'avez vu, mais ça tombe quasiment jamais, ou alors sera présenté avec des documents. Donc du coup, c'est pas trop grave si vous retenez pas. Là, vous avez par décantation. Donc là, c'est ce que vous avez, hein, une décantation-filtration. Ce que vous avez fait en fait avec ce que vous faites avec le café et l'eau, c'est ce que vous faites pour séparer un solide d'un liquide. Que vous avez fait l'année dernière, par exemple, pour l'aspirine en seconde. Et puis là, vous avez une distillation. Ça, vous connaissez aussi depuis un petit moment. Station d'épuration, ça se présente exactement comme ça, je vous laisserai le lire à la maison, c'est un gros document, mais je peux pas en parler, sur la vidéo va durer 45 minutes, et je sais même pas si on n'est pas proche des 45 minutes déjà. Sur ce, merci de m'avoir écouté, c'est des questions bien sûr en commentaire, pour ceux qui sont pas du lycée, ceux qui sont au lycée, vous pouvez les mettre aussi en commentaire, mais vous pouvez aussi me joindre par Pronote, ou vous pouvez aussi me joindre au lycée, au laboratoire, en salle des profs, ou après le cours. Voilà, sur ce, merci beaucoup de m'avoir écouté, on se retrouve la prochaine fois pour conservation des aliments. Le chapitre 2 de la deuxième partie, dans l'humanité.